Est-ce que tout va bien là? Je vais finir par être spécialiste des streams sauvages. J'en fais presque un jour sur deux, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Alors, veuillez excuser ce petit écran. Mais je vais tout de suite lancer le truc. Dès que je saurai où le trouver, je me souviens plus où c'est. C'est là. Yes. Ah putain, faut déjà que je change ma resolution. Là? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, ok. Je pense. Yes. Ok. Quand tout me bute la queue. Qu'est-ce qu'il me fait là? Qu'est-ce qu'il me... Non mais va sur l'écran là-bas là. Mais... Ok, alors attendez. Si je fais ça. Ok, et qu'ensuite je fais ça. Voilà, là j'y ai accès. Alors, game capture. Ça. Ok, et là? Yes! Alright. Eh bien, continuons de jouer. Waouh, c'est si blanc. Oui, très bien. Docteur William Joyce. Ok, d'accord. Après la mort de leurs parents dans un accident de voiture, alors que Jack était à peine adolescent, William est devenu son tuteur. Il n'était clairement pas fait pour ce rôle. Ah ouais. Tu en es d'accord depuis des années. Mal aux dents. Par contre, est-ce que je peux jouer? S'il vous plaît. C'est vachement long là. Allez. Allez. Voilà. D'accord. Ok. Rejoignez Serene aux cales sèches. C'est où les cales sèches? Merde, je me souviens plus. Ah oui, c'est là-bas. Ok. Il faut que j'aille là-bas. Ok, on a un gun, toujours. Et ça, ok, on a bien fait de recharger. Mais qu'est-ce que c'est que ce mouvement? C'est fermé. Il doit y avoir un autre moyen de passer. Oui, en effet. Là. Non, moi je veux juste passer en fait. Bah. Là? Non? What? Est-ce que si j'éclate tout avec mon pouvoir, je peux faire quelque chose? Comme Nick, ça. vous êtes toujours là? Comme ça. Je vois que c'était pas nécessaire en fait que je fasse ça. En fait, il suffit de faire ça. Voilà. N'importe quoi. C'est passé près. N'importe quoi. QG, on vient d'entendre une explosion près du périmètre de collecte. Bah. Ouais, on se demande bien qui ça pouvait être. C'est vrai qu'on se demande bien que ça pouvait Charlie, être. libère le canal. Ah mais si, je crois que je sais ce qu'il faut faire. Striker, mettez-vous en position défensive autour de la zone 0. Non? Attends. Bien V. reçu. Ok. Et là on fait genre. A. Voilà, on met tout ça en place. On met tout ça en place. Sans déconner, comment je peux mourir de ça? C'est injuste. Ça n'a aucun sens. Je suis mort d'une chute de 1 mètre. Mais ok, qu'à cela ne tienne. On fait ça. What? Mais non, c'est pas cette arme que je veux. Ça. Voilà, là on passe là-bas. Ok. Wouah! Si je me mettais. J'ai une idée. Ok, ça n'a pas marché. Ça n'a vraiment pas marché. Si je fais genre. Ça. Charlie, libère le canal. Ok, il faut que je sois là. Équipe Striker, mettez-vous en position Ensuite défensive ça. autour de la zone 0. Bien reçu. Ok, go! C'est là-bas derrière. Voilà! Easy! Facile! On n'avait juste pas vu l'escalier. Ce qui peut arriver à n'importe qui, hein. Soit dit en passant. Ouais. Pourquoi c'est l'écran, il est bizarre? J'ai Ok, reconnu très bien. l'atelier de Will dès que j'ai vu le vieux panneau au-dessus. Ah bah super. C'est l'endroit que nous appelons Zone Zéro. Il était Zone clair que Zéro. l'atelier était au centre de l'opération de Monarque. Je voulais découvrir ce qu'il renfermait. Ça, De toute façon, ça semblait être le seul moyen d'atteindre les cales sèches et Paul Seren. C'est vraiment ça, l'atelier. D'accord. Déparez-vous des ennemis dans la zone. Non, dans la cour des transformateurs. D'accord. Bah. Il suffit de faire ça. Ah non, ça n'a pas marché. Figurez-vous que ça n'a pas marché. Hop, toi, c'est le headshot. Et toi, mon gars, ça va venir. Voilà. Y a pas un truc d'explosif à côté d'eux aussi? Ok.
qu'est-ce que tu veux, toi, là-bas? Qu'est-ce que tu veux? Ça dégage, mon gars. Y'en a un dans le camion? Absolument pas. Ok. Quoi ça? Ah, on s'en fout. Oh, 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 oh. Je l'avais pas vu. Oh, je suis nul. Il essaie de me contourner. Il est où l'autre? Ah, il est derrière moi, d'accord. Allez, ça, ça dégage. Déjà, on va commencer par faire les choses dans l'ordre. Ah, pardon, excuse-moi, excuse-moi. Non, mais là, je suis désolé. Voilà, on fait comme ça. Ah non, on fait comme ça. Comme ça, on part pas sur un malentendu. Non, ça. Ah ouais, on est en fort, Yendo. Hey. Oh putain! Oh merde, j'avais pas vu lui. Ouf! Non, vous, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh là! Ah non, non, par contre, deux fusils à pompe, c'est trop, monsieur. Wouah! Ok, 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 ouh la vache, ça fait mal, ça fait mal, ça fait mal. Oh putain, il y en a là aussi. Oh, c'est la mort. C'est la mort qui va m'assassiner. Ok, 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 on court, on court. On court, tout va bien se passer, tout va bien se passer. On peut s'en sortir, on peut s'en sortir. Non mais il y en a jusqu'où des ennemis, sans déconner. Oh non, 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 non. Il est avec moi? Il est avec moi. Ok. Ok. Et du coup, si... si par exemple je fais ça... Ça. Merde. Je sais pas du tout par où il faut que j'aille, mais... Préparez-vous des ennemis dans la cour avant d'accéder au transformateur. Bah ok, mais... Faut que j'aille derrière? Juste derrière eux? Genre. Alors peut-être juste que je monte sur la bagnole? Ouais. Ok. D'accord. Trop pratique. Qu'est-ce qu'ils font eux? Paul avait conçu un équipement permettant à ses hommes de se déplacer lors des interruptions. Super. Super. Préparé, mais il a jamais essayé de l'empêcher. Ok. Ok. Oh la vache, c'est chaud, c'est chaud. Faut que je récupère un peu mes HP là. Vite. Ils sont où? Oh merde, 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 merde. Ok. Il est où lui? Ok. Hein? Ah, il est là. Ok. On continue. Ok, là il est là-bas, à droite. Oh, je l'ai raté de ouf.
Oh, par contre, s'il vient encore à corps, le mec, alors qu'il lui faut 250 balles pour crever, c'est relou. Oh merde. Ok, ok. Ah merde. Mais meurs. Mais meurs. C'est fou ça quand même. Et à un moment donné, il faut mourir les gars. Ah, je vise trop mal. Ok, là on l'a eu. Lui on l'a eu. C'est pas possible. Quoi? Attends. Là c'est chaud. Là c'est très très chaud. C'est marrant qu'ils viennent pas derrière trop le camion quand même. Ils viennent pas trop derrière le camion, pardon. Mais où es-tu? Où es-tu? Il est là. Non, il casse les couilles. Il casse vraiment les couilles. Là-bas. Ok. Et toi maintenant? Ok, je suis dans la merde. Ça dégage. Il ne vous a jamais dit ce qu'il faisait dans cet atelier, la zone. C'était chaud. Non, jamais. Il m'a toujours caché cette partie-là de sa vie. Rien ne m'avait préparé aux aberrations qui m'attendaient à l'intérieur. Aux aberrations qui m'attendaient ça, à l'intérieur. C'était qu'un début comparé au drame dont cet endroit devait être le théâtre plus tard. Accès interdit. Je suis sûr que c'est plus un conseil qu'un ordre. Ok. Là-bas? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est moi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette boucle temporelle encore? Ça s'est déjà produit. Bravo Sherlock, c'était même 5 secondes. Oh, le temps. Le temps est flingué. J'ai expressément demandé du niobium titane revêtu de cuivre. Will. What? Merde, je vais passer par là. Bon, ok. Il faut que j'aille là-bas. Absolument incroyable. Will avait disparu. Mais il était tout autour de moi. Mais je peux bouger ou je peux pas bouger? Dont il parlait jamais. Tout ce dont il avait voulu me protéger. Tout ça m'entourait. Comme un puzzle. Comme un puzzle. Figé dans le temps. Ah mais il a la voix de Dexter, voilà. C'est bon, je peux bouger ou... On pensait tous qu'il gâchait sa bourse de recherche et sa carrière. Faisant une fixation sur une expérience ratée. C'est ce qui nous faisait croire. Mais ce qu'il a construit, ça a toujours marché. Ça marche. Ça marche. Attends une seconde. Ok. Ok. Ok, une petite seconde. Reprendre la partie. Du coup, je peux me casser là. Faut que j'aille où? Là-bas. Explorer la tête de Will. Ma bourse l'an prochain. Je vous en prie, ne faites pas ça. Allô? Là-bas. Contre-mesure. Pourvu que ça marche. Will. Will. Plus rien. Venez avec moi. What? Qu'est-ce que ce bordel? Vous êtes la seule personne à avoir vu ce que j'ai vu. Ne fais pas ça! Non! Donnez-moi la machine. Et si vous vous trompiez? Eh ouais. Et il s'est trompé. Je savais que quelque chose de terrible s'était produit. Mais tout était mélangé. La solution m'échappait. Non!
C'est par où? Là-bas? Là. Oh, putain, par contre, faut arrêter là avec le temps, les gars, je vois plus rien. Non, bah ça, on passe pas par là du coup. Oh là, ça rend ouf. Ok, on va attendre qu'il fasse un nouveau jour. Il faut aller prendre par. Putain. Mais ça rend dingue! Arrêtez! Oh, c'est pas vrai! Ouais, les gars, alors là, je pense. Ok. Allez! Non? D'accord. Bon, bah, j'imagine qu'il faut passer juste par l'autre côté. Genre. Ah, mais non! Parce qu'il y a rien en fait là. D'accord. Là. Voilà! Tout simplement. J'étais sous le choc. Toutes les questions que je me posais figuraient dans ce que j'avais vu dans cet atelier. Tout ce qui s'était passé à l'université faisait partie de quelque chose de beaucoup plus vaste. Quelque chose qui avait commencé 17 ans auparavant. 17 ans? Ok, la cale sèche. Allez à la cale sèche. J'y suis presque. Ouais, ça fait quand même 1000 ans hein, qu'on cherche la cale sèche. Je dois trouver Paul. Falloir trouver autre chose. Hein. Ok, alors nous y sommes. Est-ce que je peux récupérer des balles aussi? Parce que ça serait pas mal quand même. Y a pas des balles dans le coin là? Genre un mec qui aurait laissé tomber un petit fusil comme ça, il était parti pisser, il a laissé tomber son fusil, non? Ok, ça va, je vois que ça veut pas aider, c'est cool. Là y'a quoi? Ok. Ah! Salut! Bonsoir! Quelque chose n'allait pas chez Paul. Le syndrome des chronos. Il avait ses pouvoirs depuis bien plus longtemps que moi. Mais qu'est-ce qui avait provoqué ça? C'est une bonne question. Étais-je malade, moi aussi? Ou était-ce dû à son voyage dans le temps? Je l'ignorais. Je l'ignorais. Mais ça n'excusait rien de ce qu'il avait fait jusque-là. Tu m'étonnes. Très bien, on va continuer par là-bas. Ou là-bas, je sais plus. Non, c'est là-bas. Ok, sas de décompression. Bah, très bien. Est-ce qu'on y serait pas bientôt là? J'ai comme l'impression que si. Ouais. Ouais. Jack, il faut que tu comprennes que Will ne m'a pas laissé le choix. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est inutile de se battre. Tu l'as tué. Je t'expliquerai tout le moment venu. Mais c'est toi le moment venu. Pourquoi il me fait faire ce genre de truc là? Gala, le temps va s'arrêter et t'organises une fête? Ouais, parce que je suis un mec comme ça. On va régler ça maintenant. Ah, faut pas parler en même temps, les gars. Tu vas y aller. Je l'ai déjà vu. Vu quoi? Pourquoi tu fais ça? Au revoir, Jack. Non! Non! Bah. Il n'y a personne en fait. C'est ça que vous essayez de me dire. Non, par contre, ça, on va pas lire. Hein. En fait, on va arrêter d'ouvrir tous ces trucs-là parce que. Les objets narratifs, c'est cool, mais quand il y en a autant qui sont aussi longs, bof quoi. Pas chaud de ouf! Ok. Ah, Nick Masters. Ah, ben voilà. On est là, on galère. Mitraillette tactique. Mitraillette tactique. Ah, mais moi je... Ouais, mitraillette... Non, pas ça. Non, putain, je fais n'importe quoi. Oh là, je fais n'importe quoi. Je voulais juste voir la mitraillette tactique, moi. C'était ça. Comment ça tire? Oh, j'aime pas. Oh, bah on va voir que c'est plus précis en fait. Si, ok, j'aime bien. Parce que l'autre elle part un peu dans tous les sens. Mais c'est quand même plus cool. Paul. Monsieur. Paul. Arrête. Reviens, bordel. Arrêtez. What? What? C'est moi qui fais ça là? Oh. Ah, il était déçu. Il est déçu. J'ai pas des masses de temps pour jouer.
Je pense que je vais pas live maintenant en fait. Je vais avoir live la suite une prochaine fois. Donc si jamais il y avait quelques personnes, je vous dis à très vite et ciao.